nature où les gens arrivent de différents horizons et également en performance dans la mesure où on est dans un mode hybride que nous avons expérimenté pendant les mois précédents de la pandémie, qui fonctionne relativement bien avec parfois quelques petites difficultés techniques, mais tout de même, on arrive à s'entendre. Alors, je voudrais juste rappeler dans quelles circonstances nous avons sollicité notre collègue Alphonse Yapi-Diaou. J'ai eu à discuter avec lui précédemment, bien sûr. Notre réseau, aujourd'hui rassemblé à Dakar, ne rassemble en fait en présentiel qu'une partie de ses membres. En particulier, c'est entre les Français et les Africains que les séances sont organisées sur le mode présentiel. Et une partie de nos membres du réseau Habiter les villes du futur est en distanciel, puisqu'ils se trouvent sur d'autres pays, un autre continent, l'Amérique. Donc, on a des participants du côté du Canada, du côté de la Colombie, du côté de l'Équateur, du côté du Mexique. C'est la raison pour laquelle les travaux que nous conduisons sont dans les deux langues. L'année dernière, compte tenu du fait que nous ne pouvions envisager aucune forme de circulation entre nous, aucun voyage, nous avons initié ce qu'on a appelé à ce moment-là le cycle international de conférences. Nous avons sollicité six ou cinq collègues qui sont venus faire des conférences devant les membres du réseau. Et donc, nous renouons aujourd'hui avec ce cycle de conférences internationales par la sollicitation de notre collègue et ami Alphonse Yapi-Diaou, qui est un professeur émérite de l'Université qui est ivoirien, qui est un des excellents spécialistes de la question européenne en Afrique. Avec un sujet tel que celui qui nous préoccupe, il nous fallait bien effectivement remettre la possibilité de dialogue entre les travaux que nous sommes amenés à conduire et puis, en l'occurrence. Ce n'est pas un problème de connexion. Vraiment, si on n'arrête pas tout. Oui. Alors, encore une fois, il faut arrêter de communiquer, soit par téléphone, smartphone ou par les ordinateurs, parce que visiblement le réseau est instable. C'est là aussi l'une des surprises du mode hybride. Nous sommes ralentis dans nos échanges par connexion. Donc, moi-même, peut-être que vous remarquez que je ralentis mon. Dans l'espoir d'être un tout peu plus compréhensible. Et puis, donner aussi un mot à Alphonse, il faudra que la traductrice puisse le traduire efficacement, qu'il parle avec un débit lent. Donc, nous avons 1 heure. Monsieur, la personne qui est en train de parler, s'il vous plaît, mettez un micro-casque pour que le son de votre voix soit dirigé correctement sur le micro, sinon c'est impossible à traduire. Le monsieur qui est en train de parler en ce moment. Merci. Madame qui fait la traduction, nous n'avons pas de micro-casque. Donc, tant pis si vous ne pouvez pas traduire. L'essentiel sera de traduire Alphonse Yapi-Diaou. Bien. C'est noté. Je propose que nous écoutions tout de suite Alphonse Yapi-Diaou et puis ensuite que nous puissions avoir un échange. Là encore, pour la dame qui traduit, il n'y aura pas de possibilité de traduire les échanges dans la mesure où les gens de la salle vous seront totalement inaptes, pire que moi. Alphonse, on peut... Oui. Bon, bonjour à tous. Donc, j'avais proposé, lorsque l'information m'a été donnée par mon collègue Emmanuel Evenon, j'avais proposé d'intervenir sur la ville africaine à l'épreuve des agendas mondiaux de développement urbain. En effet, les villes africaines, depuis une cinquantaine d'années maintenant, soit environ une décennie après la vague des décolonisations, où ces villes-là ont été sous administration ou sous contrôle à la fois gestionnaire, technique,
des anciennes puissances coloniales avec toutes les méthodes d'intervention qui s'en suivaient. Ces villes-là, avec l'aide justement des anciennes puissances coloniales, ont essayé de mettre en place, dans la continuité des héritages coloniaux, un certain nombre de politiques, d'identifier un certain nombre d'actions à mener, surtout sur une partie de ce continent engagé ou confronté à un processus de croissance démographique d'une part et de croissance urbaine assez fortement marquée. On le sait tous, aujourd'hui, l'Afrique reste le continent qui connaît un processus d'urbanisation assez fort, mais aussi un continent où le fait urbain est clairement établi. Donc, le passage, on dira, d'un continent à dominante rurale à un continent engagé vers la voie de la dynamique et de la généralisation du fait urbain correspond à une réalité. Et l'intitulé que j'ai proposé, faisant référence aux agendas mondiaux, montre assez clairement comment, du passage de l'héritage colonial avec l'appui des puissances, comme je l'avais indiqué tantôt, on est passé à un processus maintenu, soutenu, avec un élargissement des intervenants qui ne sont plus uniquement et exclusivement les anciennes puissances et leurs institutions spécialisées, mais également et de plus en plus des institutions internationales sous la bannière desquelles s'aligne la majorité, sinon la plupart des pays, la plupart des États, pour générer des politiques inspirées par les grandes discussions internationales avec des volets qui concernent plus spécifiquement le champ urbain. Donc ça, c'est le premier élément que je voulais indiquer pour situer le choix que j'ai proposé et qui a été effectivement accepté. Ça, c'est le premier point. Le second point, il tient compte aussi du fait que, chemin faisant, au moins au cours des 40 dernières années, un certain nombre d'évolutions ont marqué la planète entière en termes de modèle économique de développement assorti d'un certain nombre d'orientations sur les façons de produire la ville, sur les façons de gérer les villes, sur les façons de les administrer et sur les façons de les faire vivre de façon générale. Et donc, partant de là, la question des agendas mondiaux s'est clairement posée aux villes africaines pour les raisons que j'ai évoquées tantôt, à savoir la pression de l'urbanisation qui reste toujours une caractéristique assez forte de cette partie du monde. Alors, cette implication, on peut rapidement la situer au tournant des années 70, où pendant longtemps, on l'a vu à propos d'autres parties du monde, on a pensé que les pays, à quelle époque on appelait les pays du tiers-monde, aujourd'hui les pays des Suds, étaient des pays destinés pour l'essentiel à la production de denrées, de matières premières destinées aux économies industrialisées. Et de ce point
Le son est coupé. Oui, il semblerait qu'il y ait un problème du côté du présentateur, de l'orateur. Il doit avoir un problème de connexion, il va certainement devoir se reconnecter. Ça marchait tellement bien jusqu'à présent que... Activez votre micro, s'il vous plaît, monsieur Alphonse. Mais je... Bah non. Ah, ok, ça marche. Mais surtout, la Banque mondiale s'est rendue compte du caractère irréversible du processus qui est enclenché et en lieu et place de toute autre politique alternative, a fait le choix de l'accompagnement. Et donc, un certain nombre d'actions avaient commencé à être identifiées, ça a été le cas, notamment dans un certain nombre de secteurs, dont principalement le secteur de l'habitat et le secteur des infrastructures, le tout orienté vers les populations qu'on considérait à l'époque alors comme n'étant pas suffisamment intégrées à la ville. Cette intégration était analysée sous l'angle justement de la seule perspective économique. Il se trouve que de proche en proche, ayant pris conscience de ce caractère irréversible, les choses ont considérablement évolué et que cette évolution-là a pris la forme d'une sorte de validation de l'urbanisation et en même temps qu'on valide, on reconnaît pour ce qui concerne cette partie du monde en particulier qui est rentrée, on va dire, entre guillemets, tardivement dans le processus, à reconnaître le rôle positif de la ville ou du fait urbain de façon générale, la ville étant désormais analysée à la fois comme un cadre et un facteur de développement et de stimulation aussi économique par les fonctions qui y sont cristallisées. En même temps que la ville est reconnue dans ses fonctions économiques et mérite l'attention à l'échelle du continent africain en particulier, on admet aussi, à travers un certain nombre de travaux disponibles, que ces villes-là méritaient accompagnement parce que, étant analysées comme le lieu et le cadre de diffusion des modèles économiques, en l'occurrence le consumérisme, l'organisation des modèles politiques et sociaux et des modèles familiaux, ou en tout cas des types de familles qui pouvaient être promus. Pour autant, les conséquences de ces processus n'ont pas échappé aux institutions internationales, de sorte que sur l'ensemble des continents et plus spécifiquement ici, des efforts, des engagements ont été amorcés au fin d'entreprendre un certain nombre d'actions et d'investissements. Les premières actions qui ont été prises ont porté, je l'avais dit dans le propos liminaire, principalement ont été orientées vers le secteur du logement, où on considérait qu'il y avait un déficit extrêmement important en la matière et que des actions devaient être menées aux fins non seulement de corriger, mais surtout de prévenir et de pérenniser le modèle en intervenant sur les affres à la fois spatiaux, économiques et politiques
que pouvait générer ou contenir une absence d'intervention sur des villes engagées dans des croissances fortes. Donc, se mobiliser pour être au chevet des villes, pas que des villes africaines, moi, on est tout à fait d'accord, je reviendrai sur les aspects spécifiquement africains, se mobiliser relevait des urgences. Et donc, pour ce qui concerne les villes africaines, c'est la question, la problématique de l'aménagement qui est posée plus clairement. Cette problématique de l'aménagement est aussi longtemps, y compris qu'on l'observera, y compris aujourd'hui, lorsqu'on pense les villes africaines, on les pense tendanciellement moins comme des espaces économiques, des espaces politiques, des espaces même, je dirais, culturels, que comme des espaces de vie, une manière de privilégier la fonction habitée, la fonction résidentielle de la ville. Vous travaillez sur les problématiques foncières, ce qui ressort, c'est loger les populations sans se préoccuper des besoins et des demandes des autres acteurs du système urbain. Donc, au fil des différentes actions, sous l'impulsion des États africains, tous les secteurs ont commencé à être investis, notamment le secteur de l'habitat, mais aussi le secteur de la santé, avec une forte implication de l'Organisation mondiale de la santé, dont l'intervention a commencé par, entre autres, au-delà de son champ classique que nous connaissons, a commencé par le domaine des infrastructures et de l'assainissement, comme on peut le constater, en effet, il y a un lien très fort entre la salubrité urbaine et les problématiques de la santé, d'où une implication dans les politiques d'aménagement et d'assainissement des villes. Une autre question qui a émergé très fortement au cours des 30 et 40 dernières années, au-delà de la question des infrastructures économiques qui ont vu la mobilisation d'une part de la Banque mondiale, mais aussi des institutions internationales telles que la Communauté économique européenne, on dira aujourd'hui l'Union européenne, et les agences de coopération internationale qui se sont impliquées fortement dans le modèle économique marqué par une présence forte des États avant l'avènement du néolibéralisme et ses implications pratiques que nous connaissons, les infrastructures économiques ont vu une forte implication de la communauté internationale dans la continuité justement de l'attention apportée sur les problématiques urbaines. De telle sorte que les investissements sont allés dans le système, dans le domaine des transports urbains. Dans le domaine des transports urbains, qui aujourd'hui sont en déconfiture et connaissent de vrais dysfonctionnements. J'y reviendrai parce que c'est un point qui est très fortement caractéristique de ce continent, des villes de ce continent, et qui mérite qu'on s'y arrête quelque peu. On y reviendra. Deuxième domaine d'intervention, bien avant les ODD sur lesquels on dira, bien sûr, on avancera un certain nombre d'idées, ce sont les problématiques de la sécurité urbaine. La sécurité urbaine, dans son rapport à la sécurisation des investissements et des investisseurs, de sorte que, dans le cadre des interventions de la communauté internationale en faveur de l'économie, une attention particulière a été portée au secteur de la sécurité qui a fait l'objet
au cours des 30 à 20 dernières années de différents programmes qu'on retrouve partout, dans la plupart des villes et surtout les grandes métropoles, dans des programmes du type programme d'appui à la sécurité urbaine, par exemple. Dakar en a eu, Abidjan en a eu, Nairobi en a eu, Accra en a eu, et etc., etc. Donc, cela montre le rapport entre les dynamiques économiques recherchées et les conditions justement pour non seulement maintenir, mais aussi consolider ces dynamiques économiques en question au travers, comme je l'ai dit, ces problématiques sécuritaires qui ont mobilisé d'importantes ressources. L'autre enjeu capital en lien avec le rôle économique, politique, social de la ville, je l'ai dit dans le propos, que dans le petit texte introductif que j'avais proposé, c'est la problématique des outils de maîtrise de cette dynamique urbaine, quel que soit l'angle sous lequel on va aborder cette dynamique. En effet, dès la crise qu'on a appelée la crise du pétrole au début des années 70, passé cette crise, des interrogations ont été formulées par les institutions internationales autour des conditions d'évolution des économies et donc le cadre politique et institutionnel des dynamiques économiques dans des contextes engagés dans un processus d'urbanisation générant par ailleurs des situations d'inégalité socio-spatiale. La voie tout trouvée a été la voie de la décentralisation comme l'élément important qui permettrait de faire émerger de nouveaux acteurs publics aux côtés de l'acteur étatique qui, de longue date durant, a monopolisé tous les leviers de la politique, des politiques publiques dans le domaine de l'économie, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine du social, etc., etc. Cette politique de décentralisation introduite sur le continent au tournant des années 70-75, le Sénégal, où sont un certain nombre d'entre vous, en a fait l'inauguration dès 1972, d'autres ont suivi dans la foulée, et aujourd'hui, le continent est un continent qui est entièrement ou presque totalement, là où c'est possible, engagé dans ce processus de décentralisation en institutionnalisant les espaces, les territoires, en institutionnalisant donc les villes, les agglomérations et en faisant émerger des acteurs nouveaux aux côtés des acteurs étatiques. Le détour par ce rappel, par ce point, me paraît important parce que l'analyse qui a été faite consistait à dire si les États africains et si les villes africaines connaissaient des situations de crise, c'est simplement parce que les leviers, justement, de pouvoir, de gestion aussi, étaient centralisés, étaient monopolisés, étaient quelque part, n'étaient pas diffusés et partagés. Et donc, le partage permettait justement de faire émerger d'autres lieux et d'autres échelons de décision, d'action aussi. L'autre point que je souhaitais donc évoquer, donc dans cette foulée, on a vu comment de proche en proche les institutions
nous, on peut commencer par la première qui est plus spécifiquement concernée par la problématique urbaine à l'échelle planétaire, qui est ONU Habitat, qui a émergé à la fin des années 60 et qui est allée en se renforçant avec la reconfiguration, la redéfinition de ses prérogatives et de ses domaines de compétences. Mais à côté de l'ONU Habitat, on a aussi des institutions comme l'OMS, je l'ai dit régulièrement. On a la Banque mondiale aussi qui intervient, dont l'engagement remonte au début des années 70 par choix des grands bailleurs de fonds ou des pays justement qui sont les grands bailleurs de fonds et qui ont soutenu cette évolution de telle sorte que les interventions dans le champ urbain en particulier puissent faire l'objet de mutualisation, de partage et mobiliser aussi des ressources dans le cadre de la société financière internationale qui, chacun de nous le sait, est une des agences spécialisées de la Banque mondiale pour venir en aide aux investisseurs dans les domaines de l'industrie et de l'économie beaucoup plus généralement. Alors, si on passe donc à cela, la question qui se pose et qui va mobiliser aussi toute cette communauté internationale, ce sont les craintes qu'ont pu susciter la façon dont les villes se développent alors que la brutalité, la rapidité avec laquelle la croissance apparaît, se maintient, se prolonge, je dirais, est telle que bien souvent, ce sont des États qui se trouvent désemparés dans la quête de solutions. Or, il n'y a pas de solution si la ville n'est pas pensée en amont. D'où, effectivement, le recours aussi là à l'expertise internationale, à la coopération internationale pour contribuer à penser la ville. Et donc, on en revient à la question des modèles. Penser la ville et identifier des actions qui soient en cohérence, sinon en adéquation, avec les réalités des contextes, sans occulter ni oublier, comme je l'avais indiqué, les enjeux majeurs que sont les problématiques de l'économie. Partant de là, il me semble que les villes sont devenues de proche en proche des lieux qui cumulent les défis du développement d'une part, qui cumulent aussi les défis de la régulation sociale et de l'organisation et de la gestion urbaine. Alors là, je me suis permis d'en identifier quelques-uns de ces défis. J'y reviendrai pour voir les éléments de réponse qui ont pu être pistés. Le premier défi qui se pose aux villes africaines et qui est assez caractéristique, c'est le défi de l'économie et des emplois. Lorsque j'évoque le défi des économies et des emplois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'activité économique ou qu'il n'y ait pas d'emplois qui soient créés. Simplement, je rappelle récemment la crise dans laquelle nous sommes installés, la crise la pandémie de COVID, a montré finalement clairement ce qu'est la caractéristique, le profil même économique de la majorité des villes africaines, c'est-à-dire des villes où dominent massivement, dans des proportions très importantes,
ce que certains appellent de façon péjorée les petits métiers, mais ce que j'aime appeler, moi, le secteur artisanal dans la diversité de ses composantes et de ses configurations. Alors, on trouvera ce que je nomme ainsi dans ce que d'autres auteurs et coutumièrement ont l'habitude d'appeler le secteur informel, un concept ou une notion qui permet de ne pas interroger la réalité intrinsèque, profonde, les articulations structurelles entre cette économie artisanale et les segments industriels ou des services tertiaires, je dirais, de ces activités. Et donc, on est dans des villes où le gros de la troupe, dans des rapports selon un document que j'ai pris du BIT, de l'ordre de plus de 80% selon les villes, occupent le gros des populations. Donc, le défi économique, pour moi, il se situe là. Et dès l'instant où c'est ce secteur qui prend le dessus quantitativement 100 ans, il se trouve que, paradoxalement, ce secteur se trouve à l'écart des préoccupations des acteurs publics, des politiques, qu'il s'agisse de l'État, qu'il s'agisse des collectivités décentralisées. Mis à l'écart des préoccupations dans le sens où les conditions d'installation et d'évolution des activités, des appareils productifs ou de distribution ne sont pas toujours prises en considération par les collectivités publiques. De sorte que ce sont des activités qui errent en permanence dans la ville au gré des disponibilités foncières dont les promoteurs peuvent se saisir, sachant que en fonction des plans, des politiques, ce sont des segments qui sont fragiles et qui constituent quelque part, au plan de l'aménagement, les ventres mous du système d'aménagement urbain dans les villes africaines. Et ceci est plus prononcé encore dans les grandes métropoles qu'il ne l'est dans les villes dites secondaires ou dans les villes dites de l'intérieur, selon les formules en vigueur sur le continent. L'autre élément de défi que je soulève, c'est la question des mobilités quotidiennes et des mobilités pendulaires dans des villes caractérisées justement par l'horizontalité et qui, d'année en année, justement, s'étale au gré, en rapport justement avec les dynamiques à la fois sociales, les dynamiques démographiques, mais aussi les dynamiques économiques, parce que investir dans le foncier, d'une façon ou d'une autre, est aussi une façon de générer des ressources et de faire de l'accumulation. Le défi de l'environnement au sens de l'écologie, il est consubstantiel du mode de production de la ville africaine. Une ville africaine qui est produite selon, je dirais, trois modèles. Un premier mode qui est le mode étatique, où c'est l'État qui coordonne, qui intervient, etc., etc. Un autre mode de production, où ce sont les populations elles-mêmes qui prennent en charge la production de leur quartier, qui crée les fronts urbains aussi. Et puis, un entre-deux, cette ville hybride qui tente de passer d'un mode à l'autre, en particulier du mode entre guillemets populaire au mode proche de celui promu par l'État. Mais ce que je voulais évoquer par
les enjeux ou le défi de l'environnement au sens écologique, c'est que cette façon de faire la ville, qui est très fortement caractéristique de la majorité des pays de ce continent, il se traduit non seulement par le recul des terres culturales, mais en même temps par d'importants prélèvements dans la nature, de la nature, à l'exemple des pêches pour lesquelles on va dépouiller les couverts forestiers proches des villes, mais aussi tous les prélèvements qui sont effectués de manière à pouvoir assurer le besoin, la demande, la forte demande de construction dans le domaine de l'immobilier, tout type d'immobilier confondu. Pour l'instant, ce sont des sujets qui ne sont pas renseignés par la recherche, en tout cas pas suffisamment, mais qui méritent aujourd'hui qu'on s'y arrête. Et puis, l'environnement au sens de l'assainissement et de la salubrité urbaine, entraînant des conséquences sur la santé et qui renvoie là, pour le coup, à la façon dont on produit les villes et on installe les activités et les hommes. Je ne passerai pas sous silence le défi des ressources humaines et des budgets, et donc des ressources budgétaires. La décentralisation, à lire n'importe quelle thèse sur la ville, et la plupart d'entre vous avez siégé dans des jurys de thèse ou avez préparé et soutenu des thèses ou allez soutenir des thèses sur ces contextes de façon générale, sur l'urbain ou pas, la question qui revient de façon récurrente, c'est celle des déficits de ressources budgétaires des collectivités décentralisées où les États sont accusés de faire de la décentralisation d'un côté et la centralisation de l'autre. D'où les enjeux de la coopération internationale, de la coopération décentralisée. On en dira sans doute deux mots dans les questions. Deux derniers défis que je signale, c'est le défi de la gouvernance économique qui prend en compte l'économie réelle, mais aussi de la régulation sociale dans un contexte où la croissance est encore ancrée dans la durée. Et puis, ce n'est pas parce que pour céder à un effet de mode, mais malgré toutes les difficultés, tout ce que je viens de dire, il y a aussi la ville du futur, la ville africaine se trouve aujourd'hui engagée ou prise dans le défi du numérique. Il y a une dizaine de jours, à Abidjan, les chauffeurs de taxi ont engagé ont lancé et mené un mouvement de grève contre l'équivalent de Uber à Abidjan, par exemple. La ville s'est en partie trouvée paralysée. Je cite cet exemple pour montrer aussi comment, sous quelle forme, un aspect justement de la question du numérique qui, ici en particulier, pose celle du commerce et de la distribution par le biais, par exemple, de questions d'aménagement, d'infrastructure et d'accessibilité au lieu de livraison. Rappeler assez rapidement quelques éléments de défi. Je passe à un second point qui me paraît important, qui est la ville africaine comme un terrain de compétition et d'arrangement entre acteurs internationaux. Donc, terrain de compétition, d'arrangement et de coopération entre acteurs internationaux. On est à l'heure
de la mondialisation pour certains, de la globalisation pour d'autres. Depuis l'île d'Afrique subsaharienne est devenue un terrain de compétition tous azimuts entre puissances économiques anciennes et ou émergentes, sinon terrain de compétition entre grands organismes internationaux pour l'accès à des parts de marché, pour l'accès à des opportunités d'investissement dans le cadre, bien souvent, de la promotion du principe ou de cette politique contractuelle connue sous le nom de partenariat public-privé. Comme je l'avais dit plus haut, on le sait, le secteur privé sur le continent africain et dans les villes africaines en particulier, en tout cas dans son format structurel connu, reste un secteur privé encore faible et fragile. Et donc, c'est tout naturellement que les entreprises du secteur privé et les institutions financières étrangères deviennent justement les institutions, les organismes, les acteurs vers lesquels se tournent plus facilement les collectivités publiques dans cette partie du monde, dans les villes, qu'il s'agisse des collectivités décentralisées, mais aussi qu'il s'agisse des États tout simplement. Alors cela, les domaines dans lesquels cela intervient, c'est surtout dans le domaine des grands ouvrages d'infrastructures urbaines où interviennent non seulement les pays européens traditionnels, je dis traditionnels, mais aussi de plus en plus le nouveau venu s'appelle Chine, s'appelle Inde, s'appelle Turquie, mais aussi ce sont d'autres pays de ce continent, en l'occurrence les pays du Maghreb, dont particulièrement le Maroc et la Tunisie. C'est en Amérique latine, c'est le Brésil qui intervient, mais c'est aussi sur le continent, plus au sud encore, c'est l'Afrique du Sud, par exemple, qui est présent dans un certain nombre de secteurs. Dans le même temps, le paysage des bailleurs de fonds qui vont financer les infrastructures définies dans le cadre des stratégies de développement urbain vont s'appuyer sur des institutions financières qui, elles-mêmes, se recomposent, c'est-à-dire on passe des traditionnels bailleurs de fonds à de nouveaux venus, en l'occurrence les institutions financières des monarchies pétrolières du Golfe. On le voit à l'occasion de la construction des routes, des ponts, mais aussi dans les investissements portuaires, ferroviaires, etc. etc. Et dans la prise en charge même, tout ce qui se situe en amont, notamment les bureaux d'études de ces pays-là. Dans le domaine des services, également, ce sont les compagnies ou les groupes originaires des anciennes puissances coloniales qui se trouvent de poche en poche attaquées, au point d'être obligées parfois de se restructurer elles-mêmes de manière à pouvoir tenir la concurrence avec les nouveaux venus. Partout, à Addis-Abeba, par exemple, au Caire, à Abuja, à l'occasion
des efforts pour installer justement, améliorer les systèmes de transport par l'installation du transport en site propre avec des métros ou des trams. Ce sont des Chinois, par exemple, qui sont intervenus. La même chose au Caire ou à Abuja. Et puis, dans le cadre de la recomposition du paysage, ce à quoi on observe aussi et qui est en lien avec les recompositions sociales et l'avènement des classes moyennes qui apparaissent, mais aussi qui évoluent, je dirais, quantitativement, mais aussi à l'interne, ce sont les appareils de la grande, les secteurs de la grande distribution qui voient non seulement soit le retour d'un certain nombre d'enseignes ou le positionnement d'un certain nombre d'enseignes. Sur ce plan, Dakar, où vous êtes, chers collègues, sillonnez la ville et vous verrez, Auchan, par exemple, y est assez bien représenté, de la même façon que ici, à Abidjan, vous avez, pour l'instant, je n'ai pas référé d'Auchan, mais les collègues qui y travaillent, Carrefour est très bien installé, Super U est bien installé, Monoprix, qui est parti au début des années 80, est revenu, etc., etc. Voilà, ceci pour dire que là aussi, il y a des recompositions, des retournements de situation dans un lien fort avec les compositions et recompositions sociales que connaissent de plus en plus ces villes africaines. À côté de cela, il y a quand même de ces évolutions que je viens de présenter avec les nouveaux acteurs ou les anciens acteurs qui se réorganisent et qui interviennent selon en fonction des domaines, des secteurs qui eux-mêmes bougent. On a un certain nombre de permanences que j'appellerais des permanences structurelles de la ville africaine. Ces permanences structurelles ce sont le secteur, sur le plan économique, encore le secteur informel. Simplement, ce que je voulais dire quand je parle de permanence structurelle, c'est qu'il n'y a de secteur informel que parce qu'il y a un secteur, entre guillemets, ici aussi, formel, moderne, selon les auteurs, capitalistique, en position de fonctionner en interagissant comme pourvoyeur de produits de ce secteur informel. Donc, le secteur informel ne fonctionnerait pas tout seul sans un secteur formel en amont qui l'approvisionne. De la même façon, le fonctionnement, l'organisation de l'économie est telle que le secteur formel lui-même, d'après un certain nombre de travaux comme ceux de Jean-Fabien Steck qui a travaillé sur le secteur informel ici, mais aussi à Nairobi et à Lomé, montre aussi que le secteur dit formel lui-même a besoin du secteur informel pour évoluer parce que c'est l'un des canaux de diffusion et de mise en circulation des produits issus du secteur manufacturier. Donc, il y a un rapport, une relation structurelle qui va plus loin et qu'on retrouve même
jusque sur le plan de la fiscalité, là où on pense que c'est informel parce qu'on ne paye pas l'impôt, par exemple. Ça, c'est quelque chose, une idée reçue qui mériterait d'être nuancée aujourd'hui, surtout à l'heure de la décentralisation où les collectivités locales sont prontes à fiscaliser tout ce qui existe sur leur périmètre territorial. Et ça, ce sont les réglementations qui l'écrivent, qui le disent assez clairement. Et puis, je l'ai évoqué plus haut, la crise de la COVID a révélé aussi cette importance de ce segment de l'économie. La forme horizontale de la croissance urbaine, pour ceux qui viennent de débarquer à Dakar, vous avez pu vous en rendre compte, en partant de l'aéroport jusque peut-être sur le campus où vous êtes, cette horizontalité de la croissance, de l'évolution de la ville qui s'étend sur ses marges en dépit des transformations paysagères qui caractérisent un certain nombre de secteurs péricentraux se traduisent justement par aussi non seulement la dilatation des limites de la ville, mais produit des déséquilibres considérables entre les besoins et la demande d'une part et l'offre de l'autre, en particulier dans le domaine des équipements d'infrastructures, dans le domaine des services, mais ici je veux nommer les services qui assurent le transport des citadins. Donc, conséquence de, de cette horizontalité subie ou choisie, c'est à débattre. La conséquence donc de ce déséquilibre, c'est que la ville africaine, contrairement à ce qu'on pouvait penser, est devenue la ville de l'automobile, tout simplement. Personne ne peut se déplacer dans la ville sans l'automobile. Les transports collectifs de masse sont à peine existants. Et derrière donc cette ville de l'automobile, c'est la ville aux mille défis environnementaux au sens de l'exposition aux différents types de pollution que partout les mesures gouvernementales d'encadrement des véhicules d'occasion qui représentent le principal marché d'approvisionnement des citadins ne suffisent pas à endiguer. Au Sénégal, comme en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas, en théorie, importer un véhicule qui a plus de 5 ans. Seulement, le véhicule qui a moins de 5 ans ou tout juste 5 ans que vous importez, lui va avoir une longévité multipliée par 4 ou par 5 au fil du temps, en tenant compte justement des conditions de revenus et de ressources, de telle sorte que vous vous retrouvez dans une ville où les véhicules circulants ont en moyenne entre 10, 15, voire 20 ans d'âge selon les villes. Une thèse que j'ai accompagnée révélait, par exemple, pour la ville de Ouagadougou, des taxis d'un âge moyen de 20 ans. Bon, quel contrôle, malgré toute la vigilance et la célérité dont peut faire preuve le bureau Veritas, qui a le monopole des visites techniques, par exemple, dans ces contextes. Donc, ville de l'automobile, ville des pollutions, qui pose des problèmes de mesure et de gestion de l'environnement. Je l'évoque avec beaucoup d'insistance parce que c'est aussi l'une des prescriptions de la durabilité et des enjeux de la durabilité urbaine. Le dernier point des permanences, c'est la question de l'habitat, c'est la question de du logement ou de l'île. Après une phase, on va dire, coloniale, post-coloniale, marquée par une forte présence des États selon les contextes, plus ou moins, hein, et aujourd'hui qui est dominée
de façon quasi exclusive par le secteur privé, évidemment, dans la diversité des composants de ce secteur privé, entre les ménages qui se prennent en charge pour produire leur cadre de vie, les collectivités communautaires qui sont devenues, selon les évolutions des réformes, des systèmes fonciers, qui sont devenus aussi des promoteurs fonciers, voire immobiliers, et puis les collectivités publiques, et depuis 40 ans environ, le secteur privé immobilier qui, profitant de l'ouverture des capitaux en direction d'une classe moyenne montante, tend à investir, à s'illustrer sur la production de logements et la production de cadres bâtis. En parallèle des formes d'habitat, en parallèle de tout cela, on est loin de maîtriser l'environnement urbain, on est loin de maîtriser la production du cadre bâti dès lors que les formes d'habitation et les formes d'occupation de l'espace continuent d'être marquées en différents points par différentes formes de précarité, précarité juridique résultant d'une précarité entraînant une précarité physique et paysagère et donc un sous-équipement, un dénuement d'un certain nombre d'établissements humains en infrastructures et services urbains, y compris dans le domaine, comme je le note ici, la question de l'éclairage public, la question de l'accès à l'eau potable, etc., etc. Avant de conclure, avec votre permission, dans une réflexion que j'avais menée à l'occasion du 50e anniversaire de l'accession à l'indépendance d'une majorité d'États en Afrique, dans le cadre d'un colloque, où j'avais fait une sorte d'inventaire des thématiques de recherche et des questions qui ont été privilégiées, celles qui ont été négligées, je voudrais vous livrer ce constat. Le constat que j'ai fait, c'est que tendanciellement, des domaines ont été très fortement pris en charge par les communautés scientifiques dès lors que ces questions-là, comme par exemple la planification, la gouvernance, la gestion urbaine, dès lors que les agendas internationaux faisaient émerger ces notions-là, ces enjeux, et puis un certain nombre d'autres questions constituent et continuent de constituer encore aujourd'hui les angles morts de l'engouement pour les villes. Ces angles morts, c'est par exemple, ce sont les villes officielles, le plateau à Dakar, tous les quartiers qui ont été produits de façon régulière dans le cadre de plans d'aménagement issus de politiques publiques, dans la plupart des cas, la communauté scientifique est peu encline à s'intéresser à l'évolution de ces environnements-là. Et pourtant, il me semble que si on veut comprendre les dynamiques, on n'a pas le choix que d'y revenir pour comprendre aussi comment ces espaces, les sociétés constituées ont évolué. Il me semble que ça, c'est un point pour l'instant. D'après mon constat, ça reste encore un point de faiblesse de la recherche urbaine sur le continent de façon générale. À la marge aussi, ce sont les noyaux urbains anciens que j'aurais tendance à appeler les cœurs de ville. Et puis, pendant longtemps, il y a un processus de rattrapage ou de correction de ce déséquilibre, ce sont les villes petites et moyennes qui ont été abandonnées par les communautés scientifiques au profit des mammouths comme Dakar ou de quelques autres comme Saint-Louis, comme
comme Kaulak, etc., etc. Donc, il y a ces zones d'ombre, voilà, que je me permets de signaler pour montrer que les questions qui sont posées et auxquelles la recherche gagnerait à s'ouvrir, à s'intéresser, existent bel et bien pour comprendre les dynamiques urbaines, pour comprendre aussi le fonctionnement des villes et la couverture des villes, la couverture des villes à l'échelon des différents pays. S'il fallait conclure, il y a deux choses que je voudrais dire. On insistera d'abord sur les transferts de modèles dans la continuité quand même des héritages du passé. Aujourd'hui, on est à l'heure du néolibéralisme, donc qui a ses propres modèles, ses propres priorités, et la ville se produit justement avec les outils, les éléments du néolibéralisme. En effet, s'y soustraire, c'est aussi se mettre à l'abri des guichets de financement internationaux, dans un continent où quand même les forces économiques endogènes paraissent relativement moins connues, je dirais, tout simplement. Ça, c'est une première chose que je voulais dire sur donc, les transferts de modèles. Un deuxième point concerne aussi la nécessité, me semble-t-il, d'inscrire la ville dans des agendas nationaux, et de les doter de ressources et d'outils qui eux-mêmes sont promis à une espérance de vie qui pourrait être à la hauteur des visées, des perspectives internes, à commencer par exemple par la recherche, la formation. Les villes sont gérées par des institutions qui, bien souvent, n'ont pas les éléments, non seulement de lecture, pas suffisamment, de compréhension ou d'accompagnement au fait de se projeter dans les dynamiques qui sont les leurs. Le basculement des sociétés subsahariennes dans un monde qui est de plus en plus urbain, me semble-t-il, rend impérieux de poser la question d'un bilan de la recherche institutionnelle axée sur la nouvelle donne sociétale que constitue la ville. De ce point de vue, la veille statistique permettant aux institutions de négocier l'harmonie entre la ville réelle et la ville rêvée avec des appareils de mesure adaptés, me semble-t-il relever d'une des exigences au moins posées aux organismes, non seulement de formation et de recherche, mais aussi aux acteurs publics ou privés concernés et impliqués dans les systèmes urbains à l'échelle du continent. Donc, c'est avec ce mot que je me permets d'arrêter mon propos et de vous redonner la parole pour enregistrer les questions que je vous aurais inspirées, ou s'il n'y en a pas, bon, mais on se séparera comme ça. Merci beaucoup, chers collègues et amis. Merci Alphonse, merci infiniment pour cette présentation qui n'a pas été difficile à suivre en dépit d'une petite coupure. En fait, ça s'est très bien passé, l'audition était parfaite.
L'auditoire a été extrêmement studieux. La traduction nous a averti qu'elle ne pouvait pas prendre les questions et les réponses parce que elle ne nous entend pas et les personnes dans la salle n'ont pas de micro. Donc, ce que nous proposons de faire, c'est que nous allons essayer de compiler les questions qui seront suscitées par ton intervention et nous te les enverrons si tu veux bien, parce que sinon ça mettrait de côté l'auditoire latino-américain, ce qui ne serait peut-être pas de bon aloi. Voilà, c'est une proposition que je fais ici à tout le monde. Donc les questions nombreuses qui ont, enfin moi en tout cas j'en ai noté une bonne vingtaine pour ma part simplement. Je pourrais certainement les synthétiser, rassure-toi Alphonse. Mais donc toutes les questions qui pourraient advenir, je vous propose qu'on en fasse une liste et qu'on les adresse à Alphonse de façon à construire un dialogue un peu dans la durée, parce que c'est aussi ça qui avait été prévu, hein. Dans le sens où il y a des gens que nous sollicitons dans le cadre des cycles de conférences et nous continuons à travailler avec ces personnalités, ne serait-ce que dans le cadre des publications à venir, voire éventuellement dans une structure qu'on avait mise en place et qui n'a pas pu s'installer encore, qui est le conseil scientifique du réseau Habiter les villes du futur. Je pense que c'est dans le cadre de ce dialogue-là, à travers la plateforme Hypothèse, que nous pourrons peut-être prolonger ce débat. Ici, c'est difficile compte tenu des conditions techniques qui nous sont faites. Moi, ça me va, il n'y a aucun souci. Hein. Très bien. Alors, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a un enregistrement de la conférence. Et il y aura donc, je ne sais pas si c'est un sous-titrage ou si ce sera une voix qu'on entendra en parallèle sur le site. Mais donc, avec ton accord, Alphonse, on reviendra vers toi. Mais on mettra l'entièreté de la conférence sur le site Revif. Et, d'accord, ok. Voilà, c'est à partir de cette conférence enregistrée que nous pourrons ensuite prolonger le débat via des questions-réponses directement sur le site. Ça marche. Est-ce que la proposition convient à tout le monde? Encore une fois, on est un petit peu dans l'improvisation. On nous a averti que ce n'était pas possible de traduire les questions et les réponses. Donc, ce serait désagréable de mettre de côté la communauté latino-américaine, je trouve. Si ça convient, je propose qu'on remercie infiniment Alphonse pour sa disponibilité. Je sais que tu es à Abidjan en ce moment, que tu as certainement d'autres choses à faire. Mais on tenait absolument à avoir... Le point de vue de spécialiste de la question urbaine, non pas tellement sur le Sénégal, mais sur le continent africain ou une partie du continent africain plus ou moins. Et donc, le portrait que tu as dressé effectivement, est extrêmement large et c'est une claire invitation, de fait aussi, à revenir vers des questions qui se posent sur le réseau, en particulier, puisque je crois que nous t'avons envoyé la présentation du réseau, plein de questions que tu as amenées. Sont directement reliés à nos travaux. La question de la transition urbaine en Afrique, cette transition urbaine s'exprime de la façon dont tu l'as fait. La question de la transition socio-écologique avec de nouvelles normes urbaines qui sont des normes qui sont également imposées par les bailleurs internationaux ou par les politiques publiques de différentes régions du monde. Et puis, par ailleurs, aussi la question de la transition numérique qui est un élément, une des clés de la production de la ville du futur. Donc, ces trois éléments étaient très présents dans ton discours et on voit bien que là, les éléments de dialogue sont, pour le futur, extrêmement nombreux. Donc, si la séance me le permet, je me permets de te remercier, Alphonse, pour ta contribution. Et puis, nous reviendrons vers toi donc très, très rapidement sous différentes formes, donc pour l'enregistrement, pour les questions et pour les publications à venir. D'accord. Ben, c'est bien noté, Emmanuel, et puis on se dit à très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tout le monde. Donc, à los americanos, y continuamos con otro enlace para el evento siguiente. Gracias.